La cité balnéaire de Grand Popo abrite depuis ce 2 jusqu'au 7 octobre 2023 l'atelier de formation en épidémiologie de terrain niveau Frontline One Health initié par le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies RDC. C'est alors que le réseau africain d'épidémiologie de terrain AFNET organise en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec l'appui technique et financier du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique au Bénin, RDC, un atelier de formation en épidémiologie de terrain au profit du 54 de la santé animale en épidémiologie. Dr. Victor Alain Moutor, représentant de la direction de l'élevage, rappelle le but de cette formation qui est de renforcer davantage le système de surveillance et outiller les acteurs à faire face aux exigences sanitaires. L'auto-évaluation des performances des services vétérinaires et l'évaluation conjointe que nous avons déroulée en 2023 ont identifié comme l'un des facteurs limitants à l'amélioration des scores, le manque de formation des acteurs de santé animale. Donc, cette formation vient donc à juste titre pour renforcer davantage le système de surveillance et outiller les acteurs à faire face aux urgences de santé. En organisant cette formation, le projet RDC et AFNET veulent œuvrer ensemble dans le développement des ressources humaines pour une surveillance efficace des maladies et la préparation aux épidémies à travers cette formation en épidémiologie de terrain niveau frontline. Cette initiative vise à améliorer la surveillance, la prévention et la gestion des maladies qui affectent à la fois les animaux et les humains en reconnaissant l'interconnexion entre la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement. Dr. Nestor Ndeke, conseiller résident bénin de l'AFNET avec la vision d'accompagner le renforcement de capacités dans la surveillance épidémiologique au Bénin, assure de leur entière disponibilité à accompagner le projet réalisé dans l'atteinte de ces différents objectifs. Grande est notre joie ce matin d'accueillir cette première cohorte du FITP Frontline One Health qui est dominée essentiellement par les agents de la santé animale. Et c'est la suite logique de ce que nous avions déjà fait avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la formation du FITP intermédiaire. Donc c'est une suite logique que nous reproduisons cela également au niveau du frontline. Nous sommes entièrement disposés, comme d'habitude, à accompagner ce processus avec vous jusqu'à la fin pour que ce dispositif de renforcement de la surveillance des maladies animales soit une réalité chez nous, un peu comme ça l'est déjà dans d'autres pays. Pour le lancement de la formation de cette première cohorte et surtout face à l'aboutissement de ce projet, Fidelia Sessou Inson, coordonnatrice du projet RDC, exprime sa joie et satisfaction. C'est vraiment un réel plaisir, une satisfaction pour moi de partager ce jour avec vous pour le lancement de la formation de la première cohorte. Comme vient de le dire le représentant de la direction de l'élevage, c'est un processus, un long processus que nous avions commencé depuis plus de 2 ans. Et voir aujourd'hui l'aboutissement constitue pour moi un plaisir, une satisfaction. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet RDC a développé pour le pays, je ne dirais pas seulement pour la santé animale, je veux bien qu'on comprenne que l'épidémiologie, que la surveillance, elle est transversale. Donc nous avions autant appuyé la santé animale qui a déjà un dispositif de surveillance épidémiologique en place, accompagner aussi le pays, accompagner le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à mettre en place un dispositif, un système informatisé de surveillance sur lequel vous aviez été formés, y compris les agents des faunes et des forêts.
Il faut rappeler que le projet RDC est un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale qui a pour objectif de renforcer les capacités intersectorielles nationales pour une surveillance collaborative des maladies dans une approche One Health. Pendant 6 jours, les participants à cette formation seront renforcés en épidémiologie de terrain par les formateurs de AFNET.